chambre 520, oui. S'il vous plaît. Voici. Merci bien, c'est quoi votre Pauline. Petit nom ? Ah, merci Pauline. Ah, il est mort ? Bonjour Juliette. Oui, bonjour François. Alors, t'as vu quelqu'un ? Ouais, t'es bien placé pour savoir que j'ai plus de contact au château depuis longtemps. Attends, j'irai bien me coucher. Oui, non, mais deux minutes. Off. Ah, mais même off, j'en sais rien. Écoute, excuse-moi, tout ce que je peux te dire, c'est la pagaille. Et, voilà. J'ai pas dormi de la nuit, hein, donc. Jamais ça m'en se compliquer. Merci François. Au revoir Juliette. Oui, mon amour. Non, tu me réveilles pas, j'allais me coucher, en fait. Ah ben, j'en sais rien, moi, tout le monde me pose la question ici. S'il est mort, l'Élysée fera une annonce en fin de matinée. Ah ouais. Présidentielle anticipée, hein, c'est ce qui se dit. Le président du Sénat était en ébullition toute la nuit. Il était dans ses cartons. Il paraît... Non, je rigole. Non, pas... Les, voilà, la présidentielle. Là, il n'y en a qu'une. Les, c'est pour la législative. Oui, ouais. Je t'emmerde. Ouais. Bah, l'accident d'hélicoptère, ça peut arriver, hein. Non, Roger se présentera pas, lui, j'en ai pas envie. C'est une bonne raison. Et puis, il y en a d'autres qui auront plus envie que lui. Alors, Simeuse, elle est toujours à NYU. Faudrait déjà qu'elle rentre. T'as vu sa tronche à la une de l'Express? Ah, c'est Dorothée. Bonjour Sandrine. Non, elle sort pas de la salle de bain. On va prendre un petit déjeuner avec Roger. Ben, c'est pas aujourd'hui que je vais dormir. Oui, t'embrasse Victor. Non, le réveille pas. Oui, embrasse-le. Ok, je t'embrasse. Bisous. Ouais. Il est mort? Bah, écoute, je sais pas, j'arrive pas à joindre mon ami qui travaille au Val-de-Grâce. Il est toujours sur répondeur. Enfin, en tout cas, les infos sont bien bouclées. Ouais, je prends une douche, j'arrive. Non, mais je crois que t'as pas bien compris, il a pas de douche. Hein. Je viens d'avoir Roger au téléphone, il nous attend à son hôtel, on est déjà en retard. Je peux changer de chemise, ouais. S'il y a une présidentielle anticipée, ça veut dire qu'il y a des législatives dans la foulée, tu sais, ça. T'en as parlé à Roger? Il veut pas qu'on en parle avant que la mort ne soit officielle. Mais oui, bien sûr, j'ai pensé à mon investiture. Je vais pas laisser passer deux fois mon tour. Allez, viens. Ta femme est au courant? Non seulement elle est au courant, mais en plus elle approuve. Vous avez une femme vraiment très intelligente, monsieur le député. Ta commission est annulée ce matin? Oui. La tienne aussi? Oui, oui. C'est bizarre, non? Oui, c'est bizarre, oui. Tu veux dire qu'il se passerait quelque chose de spécial? Bonjour. Bonjour Roger. Vous avez déjeuné? Non, pas encore. Barbara, tu vas aller chercher quelque chose. Un petit café, s'il te plaît. Ouais. T'as un peu dormi, François? Bon, Roger, je sais que tu veux pas en parler. Hein. Je respecte complètement ta position. Enfin, tout le monde est en train de consulter tout le monde. On peut pas rester comme ça, comme si rien ne se passait. Nous avons croisé Bruno, Mercure. Il a le même sourire qu'à Bordeaux, tu sais, quand il a noyauté la commission électorale avec Chavannes. Tenez, regardez, justement. Sans photo dans le journal, Bruno et Chavannes. La réforme des institutions n'est plus urgente, elle devient nécessaire. Je ne savais pas que nécessaire était un adjectif tellement plus fort qu'urgent. Bah, ils doivent savoir ce qu'ils disent. Hein. Écoute, François, tu sais très bien que quoi qu'il arrive, je ne me présenterai pas à l'investiture. D'abord, j'en ai pas envie.
Evelyne n'en a pas envie. Quant au reste de la famille, j'en parle pas. Puis le parti ne me donnera jamais son aval. Qu'est-ce que je fais, moi, avec mes 500 ou 600 mandats au Conseil national, hein? J'ai l'air de quoi avec mes 600 mandats face aux 2 ou 3 000 de Chavagne? Puis on n'élit pas un ancien ministre de l'Éducation nationale directement à l'Élysée, non? Faudra courir pour un autre cheval, mes amis, vous êtes jeunes. Allez voir Chavagne. Je sais pas, moi, si Meuse, si elle revient à temps de New York, ou Delattre, avec son projet de grande société. Tu ranges jamais ton téléphone, toi? Mais tiens, du coup, profites-en pour appeler ta mère. Dis-lui que je viens d'annoncer ma non-candidature à une non-élection. Par contre, Dorothée compte sur moi pour monnayer cher mon ralliement. Et tu auras ton investiture législative, quoi qu'il arrive. Que les élections aient lieu demain ou dans 2 ans, ça, je te le promets. Allez, allez, allez. Avec un peu de chance, nous aurons des nouvelles rassurantes dans la matinée. Oui. Nous reprendrons nos ateliers à midi. Et si les nouvelles sont mauvaises? J'imagine qu'il y aura un conseil national extraordinaire en huis clos en fin de matinée. Ouais. Et qu'une nouvelle procédure de désignation du candidat sera discrètement enclenchée. Pas si tu penses que... D'accord. À moins qu'il y ait déjà quelque part un candidat qui se promène, il sait avant nous qu'il sera le seul candidat à l'investiture parce qu'il possède de macabres nouvelles. Il aura calculé toute la nuit le nombre de mandats dont il dispose. Pas envie de faire ce genre de calcul sordide ce matin. Oui, je viens de voir Bruno. Il veut que je le retrouve et qu'on aille voir Grémond. Bruno avec Grémond? Je savais pas qu'il pratiquait Grémond. Tourne mal ton Bruno, dis-moi. C'est les grandes manœuvres qui commencent. Ça fait froid dans le dos. Bon, je vous appelle, hein. Je savais pas que tu fréquentais Grémond. Roger est très déçu, hein. Il m'a dit de te dire qu'il s'inquiétait pour toi. Il a même insinué que tu tournais mal. Non mais attends, arrête tes conneries. Viens, je te voudrais, il est déjà à l'intérieur. Il me fout la trouille, hein. En plus, tu sais, il est avec ce type, là. Asseyez-vous. Bon, je n'ai pas beaucoup de temps, je vais donc être rapide. Le président est mort ce matin à 5 heures. Vous passerez vos SMS plus tard, hein. Laissez-moi finir. Le secrétaire général du palais fera une annonce officielle à 10 heures ce matin. Ce qui veut dire, vous vous en doutez, que nos universités d'été sont terminées et qu'après le déjeuner, entre le fromage et le dessert, nous allons sérieusement devoir penser à qui nous allons présenter devant Guillaumard, puisque manifestement, c'est le maire de Paris qui sera en face. Guillaumard en face? C'est sûr, ça? Bruno, laisse-moi finir. Ça nous fera économiser un temps précieux. Et qui d'autre est au courant du décès? À Paris, la famille du président, évidemment, Matignon. Guillaumard, à l'hôtel de ville. La place Beauvau, présidence du Sénat, évidemment. Et puis, les médecins, et sans doute 2-3 officines. Ici, nous trois, nous avons 2 heures d'avance sur à peu près tout le monde. Alors, écoutez-moi attentivement. Je ne suis pas votre ami, mais voici un marché. Comme vous le savez, en d'autres circonstances, j'aurais soutenu Laurence. Nous avions un bon timing. Cette année, elle donnait ses cours à l'Université de New York. Dans un an, elle sortait un livre sur l'état de la France. Là, vu les circonstances, je ne crois plus en cette stratégie. J'ai la conviction qu'elle est out. Sa cote de popularité au jour d'aujourd'hui est trop faible. Elle ne tiendra pas le choc d'une campagne. Et puis, son positionnement est trop centriste pour affronter Guillaumard. On allait se radicaliser un peu, mais là, c'est trop tard. On donnerait l'impression de retourner notre veste et de s'acharner sur un cadavre encore fumant par pure opportunité. Je n'ai donc pas prévenu Laurence. À l'heure où nous parlons, elle doit sans doute dormir à point fermé. Je sais que c'est triste. Elle est morte politiquement. Dans son sommeil, certes, ça doit rendre la chose moins douloureuse. Bon. Le favori devient donc Chavagne et ses 3500 mandats potentiels. Le problème, c'est que ça ne m'arrange pas du tout. Et pour tout dire, à part Chavagne et toi, Bruno, ça n'arrange à peu près personne. Peut-être. Mais je vois pas ce que je peux faire pour toi. Maintenant, Chavagne est politiquement incontournable. Tu vas aller dire à Chavagne qu'il ne se présentera pas. Il ne se présentera pas. Parce qu'il n'a pas envie qu'on sache
qu'il a volontairement bâclé. Et quand je dis bâclé, je suis civilisé. L'inspection des mines d'uranium au Gabon quand il était au Quai d'Orsay. D'ailleurs, toi non plus. Tu n'as pas envie de ça. Hein, Thiers, t'as pas envie de ça. Que le canard sorte un bon gros scandale nucléaire entre les deux tours, avec ton nom dedans, et puis le nom de Chavagne, et le nom de ta sœur. Avec qui veux-tu qu'on gagne? J'ai pas envie qu'on gagne. Ça m'intéresse pas qu'on gagne. Je suis trop jeune. En politique, j'entends. Pour soutenir un des nôtres. Je veux qu'on perde. Et je veux qu'on perde avec Roger Benoît. Roger, je viens de prendre un petit déjeuner avec lui, il veut pas se présenter. Au lendemain de la défaite, tu auras le secrétariat du parti. Et toi, François, tu auras la présidence du groupe à l'Assemblée. Et tu crois que tu peux laisser Simeuse ignorante à 5000 km comme ça, et que tu pourras contrôler ses mandats au Conseil national jusqu'à la désignation? Si la désignation se fait rapidement, oui. J'en parle à Roger, je t'appelle. Démarre. je sais pas où on va. Centre-ville, palais des congrès. Bon, Paul, tu vas entendre des choses. Par pitié, tu les répètes pas avant cet après-midi. Hein. Barbara? Oui. François, il faut absolument que je parle à ton père. Bon, bah tant pis, de toute façon, je vous rejoins. Le président est mort et il va être notre candidat pour la présidentielle. Oui, comme ça tu le prépares un petit peu. Ouais. Bon, bah, je te quitte, il faut que j'appelle Dorothée. Ouais. Ouais, à tout de suite. Dorothée? Ouais, François, le président est mort. Ouais. Grémond, hein? Bah bien sûr, je crois. Ouais. Ouais, l'Élysée fera une annonce à 10h. Bah, Grémond propose une alliance Chavagne-Grémond-Roger. Non, le candidat serait Roger. Ouais. Grémond passe au-dessus de Simeuse. Hein. Comment ça? Bah non, bah, c'est la nuit à New York en ce moment. Donc si c'est vite fait, ça peut marcher. Tu vois, et Laurence se réveille simplement hors course. Oui, Grémond pense que ça peut fonctionner. Voilà, je rejoins Roger. Bah comment ça, il peut pas accepter? Bah il va perdre, ça dépend qui est en face. De toute façon, ça sera un tel bordel en France dans une heure que ça sera bien. Mais je te rejoins. À tout de suite. Bonsoir. Oui. Tu confirmes? Bonsoir. Oh, tu sais très bien. Mais non, je sais. François! Merci pour l'info. On est avec une délégation du SNES. Tu lui as dit? Oui, bien sûr. Il a réagi comment? Non, mais il a pas réagi, il est retourné s'asseoir pour discuter de problèmes d'emploi du temps avec des proviseurs du lycée technique. Je sais pas s'il a des nerfs d'acier ou s'il est complètement ivre. Très bien, merci. Au revoir. Dorothée ne devrait pas tarder. Barbara, tu vas l'attendre dehors? Oui. Alors? Grémond veut que je me présente pour que je perde. Il veut reprendre la direction du parti avec toi et Bordeaux dans la foulée, c'est ça? Que te donne-t-il en échange? La direction du groupe à l'Assemblée. Et à Bruno Thiers? Bah Bruno, il aurait le secrétariat du parti. Ah, ça va être folklorique. Et ça te satisfait? Je veux dire, tu crois que ça vaut le coup pour ta carrière politique de m'envoyer au casse-pipe? Tu peux gagner, Roger, tu sais. Et évidemment, Grémond veut rentrer à l'Assemblée nationale. Se démarquer de Simeuse et la laisser s'embourber à New York. Oui, on dit aussi qu'il vise surtout la trésorerie depuis quelques mois. C'est son objectif principal aujourd'hui. L'Assemblée serait qu'un leurre. Et ils veulent la trésorerie. Alors, si j'accepte cet accord, il ne devrait même pas y avoir de procédure de désignation. Il y aurait juste un vote d'enregistrement du Bureau national qui demanderait directement son investiture. Je sais que tu voulais pas y aller, il y a encore une heure, mais je sais pas, moi, à Bordeaux, j'avais vraiment l'impression que t'étais à deux doigts de sauter le pas. Beaucoup réfléchi dans la voiture. Oui, t'as réfléchi au moins 5 minutes. T'as encore beaucoup de choses à apporter à la France, Roger. Dis donc, il est bien empressé. Et tu veux quel ministère, François?
Dépêche-toi parce que dans une heure, j'aurai déjà deux gardes des sous, trois ministres de l'Intérieur et je ne te parle même pas des premiers ministres. Il faut bien que quelqu'un y aille. Hein, t'as beau te moquer de tout le monde, Roger, mais en dernière analyse, tu es le plus capable, le plus droit. Je sais pas si c'est un argument recevable dans la profession. Allez, Dorothée, dis-lui. François, nous avons déjà beaucoup parlé de ça, pendant ton absence. J'ai passé deux, trois coups de fil, histoire d'avoir plus de certitude sur les rapports de force au sein du parti. Roger est prêt à tenter quelque chose. À tenter quelque chose? Barbara va dire à Grémond que j'accepte. Quoi? Ah, dis donc, je te sentais plus enthousiaste il y a trois minutes. Bon, au fond, tu as raison. J'aime autant que ce soit nous qui nous y collions. Dorothée m'a déjà convaincu. Comme je lui fais plus confiance qu'à toi. Va prévenir ta copine journaliste, là. Tu sais, celle avec qui tu as couché deux, trois fois l'an dernier. Tu vas lui dire tout ça. Tu vas lui dire qu'il n'y aura pas de vote du Conseil national. Que je suis déjà le candidat du parti. Qu'elle en reporte comme d'assistant bruit de couloir. Parle-lui de volonté d'unité dans notre camp, dans la dignité. Allez, vas-y, François, je compte sur toi. On se retrouve dans ma chambre d'hôtel en fin de matinée. Ah, Chavagne. Tu connais Dorothée Vermonde? Bonjour. Très heureux, mademoiselle. Et Sandrine? Oui, il est mort. Et Roger est notre candidat. Bah, tu vois, j'ai pas toujours raison. Mais... Je sais pas si c'est décidé en 2002, apparemment, c'est la volonté de la communauté. Bah non, je pensais pas que c'était possible avec Roger, mais enfin, ils sont que des protestants. Il peut y avoir des choses que j'ignore. Bah, il rêve de ça depuis ses 12 ans, comme tout le monde, et puis voilà, il s'est fait une raison. Transformer ça en posture morale. Ouais, j'aimerais bien que tu sois ici. Je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde a deux coups d'avance sur moi, là. C'est... Ouais, mais enfin, je m'en tire pas trop mal pour l'instant, je crois. Enfin, pour l'instant. Mais... Là, j'ai l'impression que Dorothée prépare un coup en douce, là. Tu vois pas comment je pourrais gagner la confiance de Roger? Ouais, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'est cassé, là. Ouais. Ouais, je te rappelle, j'ai rendez-vous avec un journaliste. Bah, je t'embrasse. À plus tard. Bisous. J'imagine que je n'apprendrai rien, mais au courant de tout. Non, je ne sais pas tout. C'est maintenant que les grandes manœuvres commencent. Qu'est-ce que tu sais? Apparemment, le président du Sénat aurait pété un plomb et il veut se présenter à l'élection et mettre en échec Guillaumard. Et Guillaumard soutiendrait sa candidature? Ouais, jamais de la vie. Ça fait 20 ans qu'il attend ça. Il paraît qu'il a passé la nuit à l'hôtel de ville en répétant toutes les 3 minutes « Il est toujours pas mort, il est toujours pas mort ». Ce qui veut dire que si on a deux candidats en face, au pire, on arrive en tête au premier tour, sans parler du deuxième tour. Pour arriver en tête au premier tour, il faudrait que vous n'ayez qu'un seul candidat. Alors, Simeuse, Chavagne, allez, vas-y, qui va céder? Mais personne ne va céder, nous n'avons qu'un seul candidat, Roger Benoît. Roger Benoît, tu prends tes désirs pour des réalités, mon cher François. Je ne plaisante pas, non, non. Candidature consensuelle, personne s'y oppose. Personne s'y oppose parce que personne n'y croit, ça c'est... Mais maintenant que le président du Sénat rentre dans la danse... Je peux écrire que Roger Benoît, c'est votre candidat? Ouais. Tu peux considérer ça comme acquis. Je te demanderai de retarder l'information de la candidature du président du Sénat d'un jour ou deux, ça m'arrangerait. Hein? Je voudrais pas que le parti sache que Roger peut gagner. Tu comprends? Je comprends, je suis d'accord. À condition que tu me garantisses que c'est pas un canular. Bon, Juliette. Oh, tu me manipules, je le vois dans tes yeux, t'es en train de me manipuler, Juliette, François. Mais Juliette, je peux pas te manipuler. Tout ça pour... Non, Juliette, non, je peux pas te manipuler, tu sais trop de choses, je peux pas... Tu sais quoi? Je sais rien. On se parlait? On se parlait jamais. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est... C'est marrant, j'arrive pas à imaginer qu'on va tous se retrouver à l'Élysée le mois prochain. Bon, alors, j'écris mon papier sur la décision du Bureau national de désigner Roger Benoît comme candidat. Ouais. Mais t'es sûr qu'il n'y aura pas de vote? Je veux dire, c'est officiel. Et Simeuse? Elle est sur la touche, pourquoi? Je t'expliquerai. Ok, tu m'expliqueras.
Ça paraîtra cet après-midi. Merci. Ah, si tu veux un interview de Roger, appelle-moi. Hein. Ou appelle Barbara, t'as son numéro. Non, non, je t'appelle toi. Du Sénat 72, 73, 36, je crois. Non, t'aurais jamais fait ça, c'est une Lyon. C'est que les Français, des gens de temps qui viennent de se passer. Carré, maximum 25-26. Le président du Sénat. Tu les retires. Bah alors, on va gagner. Ça va comme ça? Tip top. Oui, il faut pas oublier qu'ils ont été au conseil régional ensemble et que On verra bien. Moi, ça va être serré. Hein. De toute façon, une alliance est-elle possible sans Grémond? Et si oui, quelle est sa capacité de nuisance? On va quand même pas tout foutre par terre parce qu'une de tes collaboratrices a des scrupules, Roger. Mais on sait pas de quoi Grémond est capable. C'est déjà un risque de faire une alliance avec lui, de l'avoir pour trésorier, mais le vrai risque, c'est de voir Laurence revenir des États-Unis, parce que ça ne sera pas fait, Roger. Il va foutre un bordel monstre aujourd'hui, demain, dans une semaine. Dans le meilleur des cas, on arrive à 45-46% du vote du Conseil national sans les mandats de Grémond. Et Laurence, elle est un peu plus de 50% avec les fédérations du Sud. Alors c'est simple, il faut essayer d'avoir l'appui de Laurence sans celui de Grémond, si c'est possible. Ouais, je sais bien que c'est infaisable. Je vais essayer d'avoir son numéro de téléphone à New York. Je crois pouvoir négocier avec elle. Je garantis rien, mais on peut voir comment elle réagit à l'annonce de la trahison de Grémond. Et puis ne pas l'appeler alors que le président vient de se tuer, c'est quand même énorme, non? Et même si Roger est désigné, elle sera dangereuse pendant la campagne. Elle fera tout pour qu'on se plante. Si Laurence s'allie à Grémond alors qu'elle sait qu'il l'a trahi, on n'est pas prêt de se débarrasser de Grémond. Ça, ce serait une nouvelle inquiétante. Dorothée, tu vas aller voir Grémond à son hôtel. Quelle heure est-il? 9h10. Ça fait 3h10 à New York. Sylvie, si tu arrives à joindre Laurence Simeuse, tu peux négocier avec elle? Oui, si on a quelque chose à lui proposer. Tu es sûr que tu veux pas que je fasse campagne? Roger veut que j'aille seule. Il n'est pas encore président, tu peux lui désobéir. Hein. Va prendre l'air 5 minutes, ça te fera du bien. Hein? Tu veux faire part à Grémond en 5 minutes, hein. T'es plutôt ambitieuse. Tu t'es pas appelée Sandrine? Vous voulez commander quelque chose à boire? Un thé, un café? Rien, merci. Roger Benoît me charge de vous demander de renoncer à la trésorerie du parti et à votre candidature pour les législatives éventuelles qui suivraient l'élection présidentielle. Pardon? Vous m'avez bien entendu. Vous voulez que je répète? Continuez. Pour qui vous prenez-vous? Parce que vous avez fait libérer des otages il y a 10 ans, dans des conditions que je préfère ne pas connaître, vous pensez que vous pouvez faire n'importe quoi ici? Laurence Simeuse vous a lâché il y a une demi-heure. Ben oui, ne faites pas l'étonner. Vous aussi, vous l'avez lâché. Vous savez, il n'y a pas qu'à la piscine qu'on trouve des gens à poigne en France. Lena, c'est pas mal non plus. Laurence revient cet après-midi des États-Unis. Nous nous allions à elle. Et on va se passer de vos services. C'est Roger qui vous a demandé de me faire ce petit cinéma. Dorothée, Roger est arrivé, il nous attend. Vous êtes ambitieuse, mademoiselle. Vous avez de la répartie. Alors je ne vous en veux pas. Vous allez dire à votre patron qu'il n'avait pas besoin de vous envoyer. Que je sais très bien qu'il sait que Laurence n'a pas le pouvoir de me lâcher. S'il n'en était pas sûr, dites-lui que maintenant il peut l'être. Alors tâchez de nous faire une bonne campagne. Et à bientôt sur les bancs de l'Assemblée. J'imagine qu'on va vous confier une circonscription en or. Sylvie est au téléphone avec Laurence Simeuse. Elle veut Matignon, la présidence de l'Assemblée nationale. Et la trésorerie du parti pour Grémond. Mais tu vas pas céder, surtout pour Grémond. Que t'a-t-il raconté, Grémond? Ça s'est bien passé? Il t'a cru quand tu lui as dit que Simeuse le lâchait? Non, il m'a pas cru. C'est bizarre, non? Il m'a dit que t'aurais pas dû m'envoyer. Bon, écoute, Dorothée, d'accord, je suis désolé, mais on ne pourra pas se passer de Grémond pour le moment. Puis, il
Il faut voir le bon côté des choses. Nos amis Bruno et Chavagne sont aussi morts que le président à présent. C'est Sylvie. Oui, Sylvie. Oui. Pour Matignon, tu lui dis oui. Pour le président de l'Assemblée, ça m'est égal. Qu'elle ne mette pas de l'arbre au père Chouard. Et pour Grémond ? Va pour Grémond à la trésorerie. Bah oui, on ne peut rien contre ça pour le moment. Oui, c'est sûr. Oui, c'est ça, on se retrouve au hangar. Je suis avec elle. Ah oui, elle nous entend. Non, elle n'est pas furieuse. Elle connaît la politique. C'est une aventure noble dans laquelle on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Et puis elle devrait se réjouir d'avoir Simeuse à Matignon. Ah, apparemment, Grémond n'avait pas prévu ça dans ses plans. À quelle heure arrive son avion ? Très bien, à tout de suite. Nous avons essayé de négocier un ralliement des fédérations du Sud contre Simeuse. Ça n'a pas été possible, je suis désolé. Et si tu pars ? Il n'y a pas d'accord en cas d'échec. On dit que c'est impoli. Et puis la coalition de ce matin, Bruno, François, Grémond, c'est une option sérieuse. Les gens sont contents. Ça fera des nouvelles têtes, n'est-ce pas, François ? Ne sois pas sombre, Dorothée. Tu viens de rentrer à l'Assemblée nationale. Nous contrôlons les investitures. Roger, en 2 heures, tu as renoncé à tout. Même à ta décision de ne pas te présenter à l'élection. Bien, les journalistes ne sont pas encore arrivés. Ils doivent harceler le pauvre Chavagne dans son hôtel pour lui demander s'il est candidat. Dis-moi, François, tu as une idée de qui est derrière Grémond ? Je veux dire, tu sais vraiment avec qui tu pactises ? Pas plus que tu ne sais qui t'envoie à l'Élysée. Il y a des gens qui veulent m'ouvrir un boulevard, on dirait. Hein. Tu sais qui ils sont ? En face, il y a des individus qui ne veulent pas de Guillaume à l'Élysée, c'est certain. On lui a envoyé le président du Sénat dans les pattes pour lui faire perdre une bonne dizaine de points et, si possible, le faire perdre au second tour. Chez nous, bon, je pense que Grémond parie encore sur ma défaite. Ouais. Et surtout que ses amis et lui veulent à tout prix éviter une candidature de notre amie new-yorkaise. C'est ce qui me pousse à lui proposer Matignon. Enfin, je fais peut-être une grossière erreur, je sais pas. Nous n'avons pas à savoir, nous ne le saurons probablement jamais. Agissons, maintenant. Ce qui compte en politique, c'est faire ce qu'on peut, à un moment donné. On sait jamais ce que veut l'adversaire. Bah, tu peux encore renoncer à te présenter, tu sais, il y a eu des antécédents. On peut refuser le ministère de la Recherche ou de l'Industrie, François. On ne refuse ni Matignon, ni l'Élysée, quand on est de la profession. Et je lui dis quoi, moi, à mon vieil instituteur de Berchard-les-Pierres ? Hein ? Que je refuse parce qu'on est tous pourris ? Parce que je ne sais pas qui m'envoie là ? Parce que, je sais pas, Grémond me fait peur ? Je suis un patriote. L'Élysée est une chose qu'on ne refuse pas. À plus tard, François. Alors, tu crois toujours en notre défaite ? Ça y est, tu as ce que tu veux, Dorothée. Je ne suis pas encore élue. Ah bon, on va trouver une petite circonscription aux petits oignons. Oui, enfin. Secrétariat d'État, si Roger est élu. Oui, enfin, avec Laurence à Matignon, c'est vraiment pas gagné. Enfin, oui, t'as raison, une petite circonscription, peut-être. Oh, il y a Raymond qui voulait qu'on dîne ensemble tous les trois la semaine prochaine. Je crois qu'il était à la bonne. Ah ouais ? Bah, écoute, tu diras que, bien sûr, j'accepte ce dîner. Nous allons travailler ensemble. Enfin, tu sauras quoi lui dire. Je te fais confiance. Oui, madame. Ben, on bosse. Qu'est-ce que tu veux? On bosse. Les accords et les négociations, ça n'en finit pas. Non, non, on ne s'en tire pas trop mal. Oui. Non, non, je rentre ce soir. Non, mais tard, tu m'attends pas. Hein, oui, il faut que j'attende la fin du Conseil national. Hein. Sitôt? Mais je ne peux pas proposer une équipe de campagne comme ça, sitôt, à Roger. Mais je sais, j'en ai préparé une à Bordeaux, mais je peux pas l'imposer comme ça, comme directeur de campagne. C'est à lui de me le proposer.
Dorothée, Dorothée est dans le muscat, je sais, mais enfin bon, elle était un peu jeune pour diriger une campagne. Puis elle n'a jamais été élue au niveau local, donc oui, j'ai toutes mes chances. Quoi, tu veux lui proposer une circonscription qu'elle va perdre? Commence à la deuxième d'heure et loin, et ce sera plus difficile que prévu, mais enfin, Sandrine, t'es complètement... Oui, c'est pour ça que je t'aime, oui. Oui, voilà. Merci. Ok, je te rappelle, on en reparle. Je t'embrasse. Bisous. Juliette. Oui, non, tu ne me déranges pas. Oui, le rendez-vous de Roger, oui, la semaine prochaine, lundi. Hein? Oui, juste que j'appelle Barbara. Hein? Oui, je peux être là si tu veux. Ouais. De toute façon, on a une campagne électorale hein, devant nous. Tu es où, là? Oui, je suis à l'intérieur. Hein? Ouais. Ben, on se rejoint derrière, ok. À tout de suite.